pronounced your name correctly, Abraham Vansfield. Merhaba. Depuis que je suis complété mes études doctorales en sciences politiques à UQAM, je veux te faire avertir que cette charte du Parti québécois est en contradiction avec la charte déjà existante, la charte des libertés et de la personne du Québec, article 43, qui garantit la liberté de religion, culture, nationalité ici au Québec. Alors, ça c'est une question très importante. Et le Parti québécois voulait faire une modification constitutionnelle, en effet, avec ce document constitutionnel, sans consultation avec les autres composantes de la société. C'est très dangereux. Alors, moi, je fais peur de l'autonomie nationale culturelle. Dans mon circonscription de Darcy-Miguy, j'ai une communauté, ma propre communauté, 38% des Juifs, et je voulais faire éduquer pour qu'ils comprennent que leur revendication comme communauté nationale minoritaire doit être respectée. Le Québécois dans le Canada doit être respecté comme une nationale autonomie aussi, mais si ce n'est pas respecté, ça va trouver autre moyen pour s'exprimer. Et il y a une assemblée constituante qui doit être mise en place, comme ça a été fait en Tunisie, pour construire une constitution par consensus, où tout le monde sont réunis ensemble. Et aussi, je voulais faire éduquer la communauté juive dans ce métier pour que les Palestiniens aient le droit de leur propre identité nationale en fédération avec les Juifs d'Israël. Alors, il n'y a pas de question que je retire de cette position. Moi, je viens d'une communauté des Juifs réfugiés après l'Holocauste. Moi, je soutiens les réfugiés de droit de retour jusqu'au bout.